Salut tout le monde, c'est Travis, le vlogueur. Cette mois dernière, j'avais eu le privilège de traverser au Maroc pour quelques journées. J'ai visité plusieurs endroits de cela, des grandes villes, sites historiques, merveilles naturelles et célébrations culturelles. En total, c'était une expérience extraordinaire et je suis content pour partager tout ce que j'ai documenté durant mes explorations du pays. J'espère que tu aimes la vidéo. Faites certain à cliquer aimer et s'abonner à mon chaîne YouTube. Merci encore et laissez-nous commencer. Maroc est situé en Nord-Afrique, en ouest de la côte atlantique. Presque tout en nord de la désert de Sahara est séparé par le sud de l'Espagne par le détroit de Gibraltar. La majorité de la population vit proche de la côte, dans les plus grandes villes comme Casablanca, Fès et la capitale de Rabat. Maroc a une population très similaire au Canada, avec 37 milliards de personnes, dont la majorité identifiée ethniquement comme arabe berbère, un mélange des peuples indigènes connus comme les berbères et les peuples arabes qui ont s'installé dans la région nord-africaine durant siècles de conquête. Plus grande religion du Maroc est l'islam, avec presque 99% de la pays identifié comme musulman. C'est aussi pourquoi on a quelques des plus belles mosques au monde, cela, comme l'une que j'ai visitée en Casablanca, Hassan le deuxième. Les langages au Maroc sont parfois compliqués. Par instance, le bilinguisme est une grande partie du culture marocaine, car c'est presque impossible de vivre dans le pays avec seulement un langage ou un autre. La majorité des personnes parlent un dialecte de l'arabique ou berbère comme leur premier langage, mais le français est encore parlé par plus que 60% de la population, utilisé comme langage non officiel en commerce, médias, gouvernement et tourisme. Les personnes francophones font une moyenne de la population à juste 15%, principalement aux centres urbains, mais encore, le français est considéré comme un langage essentiel à apprendre, même plus que l'anglais. La France est aussi probablement la plus grande influence de culture populaire en Maroc, avec plusieurs de musique, télévision et médias français qui viennent au pays de n'importe place d'autre. Similairement au Canada, Maroc est un haut lieu pour le tourisme francophonie, à cause de sa représentation nationale, spécifiquement pour les personnes francophones de l'Afrique et le Moyen-Orient. Maroc lui offre beaucoup de chances pour l'échange culturel. Un bon exemple est les festivals de musique mondiale qui est organisé en Maroc et qui apportait des milliers de personnes francophonies, arabiques et d'autres chaque année. Pendant mon voyage, j'ai visité deux festivals en spécifique. La première était le Festival des musiques sacrées du monde en Fès. La nombreuse artistes marocaines, arabes, françaises, africaines et asiatiques viennent pour partager la musique de leur culture avec une audience tout aussi diversifiée. Le deuxième festival que j'ai assisté à avant que j'ai parti était le festival Ganoa et musique du monde, ou la ville Assouria. Ce festival avait montré plus les artistes marocains, spécifiquement du culture Ganoa, qui utilisant les instruments plus traditionnels comme la gnawa, un type de guitare marocain. Fait, ma visite au Maroc était très amusante. Les peuples et la culture sont vives avec des mélanges de l'Afrique, Méditerranée et Moyen-Orient.
Une vraie attention aux beautés de diversité culturelle qui existe au pays multilinguel comme le Maroc. Merci tout le monde et à demain.